Occidental Center for the Re-Education. Je suis votre instructeur. Vous pouvez m'appeler chef durant votre séjour ici. Compris? Ouais. Compris? Non, non. On répond oui, chef. Compris? Oui, chef. Voilà. Cet audiorama a pour but de vous présenter le mode de vie du camp que nous vous demandons de respecter. Bon, protocole du soir, tout le monde au lit. Il n'y a pas d'homme qui ne tombe. La vie toujours va tomber. Mais ce n'est pas une vision seulement négative de la vie, non. Tomber crée aussi le mouvement contraire. Le mouvement vers le haut, vers la parole, vers l'amour, vers la poésie, vers l'art. Ce mouvement de l'homme, c'est une exception du temps. C'est une coupure dans le temps, c'est un autre temps. Et dans cet autre temps, tout est inversé. La vision, le silence, la musique, tout est différent. Les choses ultimes sont presque indicibles, presque impossibles. Et l'image dans la poésie est faite avec de la pensée, mais de la pensée inespérée. Celle que l'on n'attendait pas, elle vient donner une autre tournure aux choses. Parce que la poésie cherche une métamorphose, une transformation. L'homme ne connaît pas son destin, ne sait pas pourquoi il est ici, et ignore où il va. Mais sa plus riche possibilité est la vision.